Bonjour ma petite Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour ouvrir le calendrier de l'Avent. Du coup je vous montre, j'ai le calendrier de Harry Potter. Je l'ouvre pas trop parce que c'est des bijoux dedans. Et tout se démonte. Du coup voilà, on va ouvrir celui-là. Et j'ai le Tum Tum de 2017 que j'avais pas encore dans mon... J'y avais pas encore les Tum Tum, du coup je me suis dit que j'allais me le prendre et je l'ai eu à bon prix, du coup voilà. Allez, on va commencer par le calendrier d'Harry Potter. Je l'ai ouvert, hein, mais heureusement il est comme ça. Voilà. Allez, on prend le numéro 1 qui se trouve ici, juste ici. Hop. Je le remets droit pour prendre le bijou. Et c'est un collier. La caméra qui se casse. J'ai ma caméra qui a plus envie de rester droit. Du coup, voilà le collier. C'est une petite plume. Je sais pas si vous voyez bien. Regarde si je... Voilà. Il est comme ceci, avec un petit fermoir. Il est très beau. Il adore la petite plume. J'aime bien. Je suis fan. Du coup, je le mets là à côté. Et du coup, on va ouvrir le calendrier Tum Tum. Le numéro 1 est juste là. Ceci n'est pas compliqué, c'est tout dans l'ordre. Allez, hop. Oh, je crois que vous voyez bien, c'est la tête de Bambi. Il est trop chou. Un peu tout écrabouillé. Je vous le montre. Voilà, il est comme ceci. C'est un micro Tum Tum. J'y vais pas encore. J'avais pas encore de micro Tum Tum. Il est trop beau, je suis contente. Voilà. Du coup, on va se retrouver tous les jours pendant 24 ou 25 jours. Je sais plus exactement. Lui, c'est 25. Et lui, c'est je sais pas combien. 24. 24. Du coup, voilà. Je vous montre. Dites-moi si vous préférez la petite plume ou le petit Bambi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!